Déclaration du mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire sur le dernier développement de la crise entre la France et le pouvoir militaire nigérien. Le samedi 9 septembre 2023, dans une déclaration lue à la télévision nationale, les autorités militaires nigériennes ont porté de graves accusations contre la France. Elles l'accusent de déployer des forces dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, pour préparer une attaque contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec la CEDEAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. En réponse à ces graves accusations et au lieu d'en démontrer le caractère infondé, le président français Emmanuel Macron a plutôt choisi de délégitimer les autorités issues du coup d'État du 26 juillet 2023. C'est en marge du sommet du G20 à New Delhi qu'il a donné la position en déclarant ne reconnaître aucune légitimité aux déclarations des putschistes nigériens parce que le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Les deux poids deux mesures de la France qui discréditent sa position. Les déclarations du président Emmanuel Macron donnent l'impression que c'est la France qui confère sa légitimité aux autorités africaines et que les pays africains ne sont pas des États pleins souverains et indépendants selon le droit international, mais restent encore des colonies. Pour le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire, les éléments de langage utilisés par le président français sont des pensifs qui, en 2023, ne peuvent plus prendre à leur piège ceux qui font preuve de rationalité. Pour le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire, ce n'est nullement la démocratie que la France veut sauver au Niger. Ce n'est pas non plus le rétablissement de l'ordre constitutionnel qui est sa préoccupation. La France veut juste imiter les États-Unis dans sa deuxième guerre contre l'Irak de Saddam Hussein. Ce que la France veut sauver, c'est l'approvisionnement de ses centrales nucléaires en uranium. Il y a eu coup d'État au Gabon, mais l'on ne voit ni le président français, ni la diplomatie française se montrer aussi loquace sur la question que sur le coup d'État au Niger. C'est à peine si l'on ne disait pas aux opinions publiques françaises et africaine, circuler, il n'y a rien à voir au Gabon. Ce deux poids deux mesures entre les bons coups d'État dont on parle peu, qu'on en oublie presque, et les mauvais coups d'État qu'on ne manque aucune occasion de pourfendre, choque l'entendement et toute l'éthique. Le président Mohamed Bazoum n'a pas démissionné, n'a pas renoncé à son pouvoir. Le président Ali Bongo a-t-il démissionné, renoncé à son pouvoir ? La démission de fait de l'autorité en place ne fait-elle pas partie des effets de coup d'État qui suspendent la Constitution et dissolvent les institutions qui en sont issues? Le président Ali Bongo n'a-t-il pas lui aussi appelé à l'aide? N'a-t-on pas royalement ignoré son appel à l'aide? Si la France veut conserver l'estime de l'amour que quelques Africains ont encore pour elle, il faudra que ses dirigeants fassent preuve de circonspection, de constance et de logique dans l'approche des problèmes africains. 2023 au Niger comme la Libye en 2011. En 2011, avec beaucoup de loquacité, le même discours de défense de la démocratie a été, à quelques nuances près, servi par le président Nicolas Sarkozy pour justifier une intervention militaire de l'OTAN contre la Libye de Muammar Kadhafi. On a préféré mettre d'abord en avant le droit de protéger les populations civiles et la démocratie derrière ensuite. Et pourtant, des courriels d'Hillary Clinton, quand elle était encore secrétaire d'État, qui ont été publiés par une commission ad hoc du Congrès américain sous la note intitulée « Comment les Français ont créé le Conseil national libyen où l'argent parle » donne un autre narratif de cette intervention militaire qui contredit la version officielle. Ces courriels révèlent que la guerre contre la Libye a été menée uniquement pour des raisons économiques et militaires. Il s'agissait de contrecarrer le plan de lancement par la Libye en 2012 d'une monnaie panafricaine qui, à terme, était destinée à se substituer au franc CFA qualifié de monnaie française dans ses courriels. 143 tonnes d'or et 143 tonnes d'argent, soit 7 milliards de dollars,
qui devaient servir au lancement de cette monnaie ont mystérieusement disparu. La guerre contre Kadhafi était aussi perçue comme une opportunité de la France de s'afficher comme puissance militaire et de restaurer le prestige de l'armée française. Il s'agissait également de favoriser les entreprises et les intérêts nationaux en réservant 35% de la manne pétrolière libyenne aux entreprises françaises, là où Kadhafi pensait à l'intérêt du peuple libyen avant ceux des entreprises étrangères. Le jeu des puissances de ce monde est connu. Brandir des justificatifs fallacieux, prétendument humanitaires ou démocratiques pour légitimer leurs opérations militaires auxquelles s'accompagnent toujours des crimes de masse impunis à ce jour. C'est deuxième Gaou qui est Nyata. Au regard de ce qui précède, le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire exprime sa grande méfiance vis-à-vis de l'héroïsation démocratique qui est servie à propos d'une éventuelle intervention militaire française au Niger, qu'elle soit sous faux drapeau, comme cela est de coutume avec des puissances de ce monde, ou qu'elle soit directe et assumée. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire invite donc les Africains à être extrêmement prudent avec le discours officiel français. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata, disent les artistes Zoubou. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire trouve triste le retour des guerres coloniales sur le continent africain. Devant la gravité de la situation et devant le fait qu'une éventuelle intervention militaire étrangère constitue une négation flagrante de la capacité des peuples à disposer d'eux-mêmes, le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire appelle les pays africains amis du Niger à demander d'urgence une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire interpelle les États-Unis qui se sont montrés clairement opposés à toute intervention militaire, la Russie, la Chine, afin qu'ils fassent barrage au projet de destruction et déstabilisation du Niger avec ses conséquences incalculables pour toute l'Afrique de l'Ouest. Après avoir détruit sans aucun état d'âme et sans en éprouver le moindre remords la Libye, après l'avoir fait sombrer dans le chaos et laissé à la merci des bandes armées et permis à des ordres de djihadistes d'essaimer dans tout le Sahel, voilà que la France veut encore récidiver au Niger pour terminer le travail. Pour le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire, l'humanité ne peut pas accepter cela. L'humanité ne devrait pas une fois encore accepter cela sans réagir. Pour le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire, on ne peut pas condamner l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, armer l'Ukraine pour prolonger la souffrance de son peuple et venir faire en Afrique, au Niger, ce que l'on dénonce et reprouve en Ukraine. Cela n'a pas de sens et est sans fondement éthique. C'est pourquoi le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire prie instamment leurs excellences, les ambassadeurs de la Russie et de Chine en Côte d'Ivoire, à œuvrer pour que leur pays se tienne aux côtés du peuple nigérien pour une issue qui préserve sa dignité, l'humanité et le droit international afin que triomphe la voie de la diplomatie. Le président Nicolas Sarkozy a détruit la Libye. Le président Emmanuel Macron manœuvre pour détruire à son tour le Niger et terminer le travail. Cela ne peut pas être accepté. Cela ne doit pas être accepté. France-Africain juste dans l'âme. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire appelle aussi les autorités militaires nigériennes à garantir l'approvisionnement en uranium des centrales nucléaires françaises, même s'il faut procéder à un relèvement du prix de vente qui le rapproche du prix du marché international. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire appelle les autorités françaises à faire preuve de circonspection car il est inutile de regarder le monde actuel avec des lentilles périmées.
Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire refuse de voir le prestige de l'armée française restauré au prix du sang des Nigériens, qu'ils soient de la junte ou tout simplement de la population civile. L'armée française a été appelée à combattre les djihadistes qui chaque jour, depuis 10 ans, ne font que gagner du terrain et non pas à combattre les armées régulières africaines. Ce n'est pas parce que son efficacité opérationnelle a été remise en cause par l'avancée des mouvements djihadistes que l'armée française va se refaire une santé sur le dos de l'armée nigérienne. Le retour des corps expéditionnaires en Afrique ne grandit pas la France. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire appelle l'État français à se départir des postures politiques du monde dépassé. Les coups d'État sont condamnables. Les élections truquées sont aussi condamnables, comme le sont d'autant les modifications constitutionnelles qui tordent le cou aux constitutions. On ne peut pas condamner les effets de coups d'État militaires et applaudir ceux des coups d'État constitutionnels. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire appelle la CEDEAO à se tenir à l'écart de toute intervention militaire au Niger. Si la France veut le faire, alors qu'elle en assume seule la responsabilité devant l'histoire, devant Dieu et devant les hommes. Le tribunal de l'histoire se chargera de prononcer contre elle le jugement que son action méritera. Le président Emmanuel Macron ne peut pas prétendre aimer l'Afrique plus que les Africains eux-mêmes. Il ne peut pas prétendre être plus soucieux du devenir des Africains et de leur pays que les Africains eux-mêmes. Comment a-t-il pu si vite de principe, lui qui disait il y a à peine 6 mois que ce n'est pas le rôle de la France d'apporter des réponses politiques aux problèmes africains. Les présidents français chantent la mort de la France-Afrique alors qu'elle constitue la source nourricière de leur politique africaine. Les faits les rattrapent toujours et rendent peu crédible leur position. Attention à l'adage qui dit « à la guerre comme à la guerre ». Le président Emmanuel Macron risque, avec une intervention militaire française au Niger qui rappellera l'intervention des corps expéditionnaires de l'époque coloniale, de provoquer pour la France la plus grande catastrophe géopolitique de son histoire. 2023 n'est pas 2011 en Côte d'Ivoire ni 2011 en Libye. Il ne faut pas se tromper d'époque. Ce que le président Nicolas Sarkozy a réussi en 2011 en Libye, il n'est pas certain que le président Emmanuel Macron le réussisse au Niger en 2023. Le contre-exemple syrien recommande l'extrême prudence. Si la France arme l'Ukraine pour combattre la Russie, elle doit s'attendre au retour de la manivelle si elle attaque le Niger, qu'elle soit en première ligne ou qu'elle cache son jeu opérationnel en mettant en avant des troupes africaines. Depuis que la crise avec le Mali a commencé, le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire interpelle les dirigeants occidentaux afin qu'ils évitent de poser des actes susceptibles de pousser à la naissance d'un nouveau terrorisme. Malheureusement, le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire découvre chaque jour qu'il prêche en plein désert. Et pourtant, l'opprimé que l'on écrase toujours pour affirmer sa puissance finit par devenir un irréductible. La radicalisation est la réponse brute du faible à la force brutale du fort. Si l'on est sans état d'âme devant le danger qui guette ses intérêts, l'on doit aussi se rappeler que la nature humaine est la même partout. Quand la contradiction atteint le stade de la saturation et la maturation par le processus d'accumulation quantitative, un saut qualitatif s'opère et l'adversaire devient un ennemi à éliminer par tous les moyens. Il ne faut pas pousser les jeunesses africaines qui sont sans espoir actuellement à ne plus avoir peur de mourir pour une cause panafricaine. L'homme africain et son territoire ne sont la propriété d'aucune race ou puissance prétendument supérieure. Le terrorisme est la solution du désespoir pour l'opprimé poussé dans ses derniers retranchements. La Palestine, l'Afghanistan et l'Irak doivent parler aux consciences. Le terrorisme se nourrit de ce que la barbarie appelle toujours la barbarie pour un équilibre nécessaire de la terreur.
que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent les paroles de sagesse. Depuis la survenue de la crise au Mali, le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire ne fait qu'appeler à la prudence et à la sagesse. Malheureusement, le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire constate que le monde est devenu une immense corrida qui laisse de place à la circonspection et à la raison. Après la confrontation avec la Russie et celle en préparation contre la Chine, l'Occident est en train d'ajouter à son arc de la discorde une confrontation avec les Noirs d'Afrique parce que les Africains ne pardonneront jamais à la France une intervention militaire au Niger et en période de chaos, le temps n'est jamais intrigué. C'est pourquoi le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire appelle à dissuader la France de toute aventure militaire au Niger. L'Afrique noire participe au rayonnement économique de la France. Quand l'on essaie de nourrir un discours constructif avec la France pour maintenir des relations apaisées et harmonieuses, l'on nous oppose avec mépris un jugement d'euphématisation pour minimiser l'apport de l'Afrique à l'économie française. Mais quel homme sensé en ce monde, quel état sensé en ce monde s'accrocherait-il à quelque chose qui est totalement insignifiant à la limite symbolique pour lui? Les États n'ont que des intérêts et cette règle n'a point changé depuis que le monde existe et les intérêts, ce ne sont pas les choses totalement symboliques. L'on n'envoie pas une expédition militaire pour des choses symboliques. L'État philanthropique, ça n'existe nulle part dans ce monde capitaliste. Une partie de l'argent qui se trouve dans la poche des Français est de l'argent africain, de l'argent qui aurait dû servir au développement de l'Afrique, mais qui, à cause des accords de coopération économique et monétaire, se retrouve au trésor français pour alimenter le budget de la France. L'histoire doit avoir l'honnêteté de reconnaître l'effort des Africains au développement de la France et à son maintien au sein de l'élite parmi les nations de ce monde. Les Noirs d'Afrique ont beaucoup trop donné à la France pour qu'ils soient remerciés de cette manière. Pendant longtemps, ils ont bradé à la France leur sous-sol, l'accord de coopération monétaire qu'elle a signé avec les pays de la zone franc reste un accord budgétaire qui aide la France à demeurer une puissance économique. Depuis les indépendances nominales, ils ont donné à la France 100%, puis 65% et après 50% de leur avoir qui dorment dans les comptes du trésor français sans aucune possibilité pour eux d'en jouir un jour. Cet argent est géré par le trésor français et le trésor est cet organisme qui est chargé de trouver les recettes pour le budget de l'État pour permettre à l'État de faire face à ses charges. L'argent des Africains participe à ce mécanisme qui fait de la France une puissance économique. Les Noirs d'Afrique ne méritent donc pas ce que le président français veut faire au Niger. Il ne faut pas enlever au peuple français sa possibilité de dialoguer avec les peuples africains parce que l'histoire est rancunière. Monsieur le président Emmanuel Macron, pour le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire, vous commettez trop d'erreurs dans votre gestion des dossiers africains. Après votre présidence, des relations saines et constructives doivent demeurer entre les peuples français et africains. Elles ne doivent pas mourir avec votre mandat parce que le monde continental est paniqué devant la perte de son hégémonie. Vous précipitez l'abaissement de la France et son crépuscule. Votre jeunesse a trompé les peuples africains qui avaient beaucoup cru en vous et espéré de votre présidence. Tout ce qui se passe actuellement est la conséquence de l'expression d'une profonde désillusion. Malheureusement, la classe dirigeante française n'a pas encore mesuré la portée des attentes africaines qui se feront. La sentence est dure, certes, mais pour le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire, votre vision de l'Afrique ne répond pas aux enjeux géopolitiques du moment. Les 9 raisons pour la Côte d'Ivoire d'éviter une diplomatie belliqueuse avec le Niger. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire interpelle particulièrement le président Alassane Ouattara qui s'est montré un fervent défenseur pour l'option militaire.
Les raisons qu'il a avancées sont compréhensibles. Mais le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire ne veut voir les Africains faire couler le sang d'autres Africains, d'autant plus que la CEDEAO n'a pas respecté ses tests en matière de règlement de conflits. Elle a brandi la menace d'une intervention militaire aux premières heures du coup de force, au lieu de privilégier la diplomatie, contribuant ainsi à la radicalisation des positions. La CEDEAO devrait suivre l'exemple de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La deuxième raison pour laquelle le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire interpelle vivement le président Alassane Ouattara pour que son nom ne soit pas associé à aucune intervention armée au Niger est que les sanctions imposées à ce pays frère sont de nature à faire souffrir une population très pauvre et largement éprouvée par une guerre asymétrique à lui imposée par des terroristes déversés dans le Sahel grâce à la clairvoyance lumineuse et judicieuse intervention de l'OTAN sous le commandement français en Libye, en 2011. Troisième raison, toute posture guerrière est contre-productive pour la Côte d'Ivoire avec une mauvaise publicité inéluctable pour notre pays. La résolution de la crise autour des 49 militaires ivoiriens arrêtés et emprisonnés au Mali a montré que la diplomatie apaisante donne plus de fruits que la diplomatie belliqueuse tonitruante qui crispe les positions. Le modèle diplomatique occidental n'est pas le nôtre. L'issue qu'a connue la crise des 49 soldats ivoiriens avec la médiation du président togolais doit être remplie d'enseignements pour la Côte d'Ivoire et sa diplomatie. Quatrième raison. Le président Alassane Ouattara n'a pas demandé l'avis de son parlement comme cela s'est fait au Sénégal et au Nigeria avant d'annoncer la participation de la Côte d'Ivoire à une intervention militaire au Niger. L'article 104 de la Constitution de 2016 encadre les interventions militaires extérieures de notre pays. Il n'a pas été respecté. Cinquième raison, il n'est pas approprié en ces temps-ci de mobiliser nos forces armées pour un front lointain, alors que les informations rapportées par les réseaux sociaux ont fait état de ce que le pays aurait déjoué une tentative de déstabilisation. Il ne faut pas ouvrir des fronts qui n'en valent pas la peine et choisir de se concentrer sur soi. Sixième raison, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a des répercussions inflationnistes sur le coût de la vie dans tous les pays du monde. Elle affame une bonne partie des Ivoiriens à cause de la vie chère qui en découle. La vie chère est devenue intenable et ça grogne fort dans les foyers. La Côte d'Ivoire s'est engagée auprès du FMI pour un prêt d'un montant de 3,5 milliards de dollars. Les Ivoiriens comprennent mal qu'avec ça, la Côte d'Ivoire s'engage dans les dépenses, dans une affaire qui ne la concerne pas. Toute guerre a un coût et comment elle commence, mais l'on ne sait jamais quand elle prend fin et le surcroît qu'elle engendre. Cette guerre contre le Niger n'est pas notre guerre. Si elle a lieu, elle ne fera qu'accroître le mécontentement populaire et donnera l'impression que le gouvernement travaille plus pour l'extérieur que pour les Ivoiriens. Septième raison. Le président Félix Houphouët-Boigny a voulu que ses enfants, que nous sommes, soient des messagers de paix et non de porteurs de guerre et de chaos pour les autres peuples. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire appelle donc le président Alassane Ouattara à marcher dans les pas du président Houphouët-Boigny. Huitième raison. Les sanctions de la diplomatie belliqueuse, d'où qu'elles viennent, finissent toujours par peser sur leurs auteurs et leurs peuples. Dans la sous-région, les sanctions agissent contre le pouvoir d'achat des ménages, avec la cherté des denrées alimentaires due à l'impossibilité d'importer des produits issus des pays sous sanctions. Les Ivoiriens se souviennent encore des sanctions contre le Mali et leurs répercussions sur leur propre vie. Neuvième raison, la Côte d'Ivoire doit éviter d'être pointée du doigt comme un pays déstabilisateur dans la sous-région ouest africaine.
L'histoire a montré que tout pays qui participe à la déstabilisation d'un autre pays finit lui-même par être déstabilisé un jour. Charles Taylor avait ses quartiers à Abidjan en Côte d'Ivoire pendant qu'il brûlait tout Liberia. Quelques années plus tard, la Côte d'Ivoire a fini par connaître elle aussi la guerre. Qui du Mali et du Burkina? Pour le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire, il n'est pas tard pour le président Alassane Ouattara de revenir sur sa position. Cette guerre de l'uranium que l'on essaie d'habiller et de présenter en guerre pour la démocratie et l'ordre constitutionnel ne nous concerne ni de près ni de loin. La Côte d'Ivoire produit son électricité à partir des centrales thermiques et non des centrales nucléaires. Nous ne devons donc participer à une entreprise qui risque de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Le chaos n'est pas loin, mais il n'est pas tard de reculer. Le mouvement citoyen républicain et panafricain, Les Démocrates de Côte d'Ivoire, invite donc tout le monde à la mesure avant que le regret ne nous habite. Si je savais, n'a pas de queue, disent les Ivoiriens. Fait à Abidjan, le 13 septembre 2023, pour Les Démocrates de Côte d'Ivoire, le président Séraphin Traoré.